Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Disney Infinity 2.0. J'espère que vous allez bien et j'espère que le dernier épisode vous a plu. Oui. Bon allez. Aujourd'hui on va pas perdre de temps. Comme je vous avais dit dans l'épisode de lundi, on va essayer de faire les espèces de petites pièces que j'ai eues. Mais en fait je sais pas vraiment ce que c'est, donc du coup on va vérifier ce que c'est. Donc vous voyez là, donc c'est marqué Avenger parce que j'ai l'aventure des Avengers. Et donc ce que je peux faire c'est enlever le machin et mettre les petites pastilles, voilà, en fait pour échappe-toi de Clone. Donc on va voir ce que c'est, j'espère que c'est sympa. Écoutez, on n'a plus qu'à essayer, je pense qu'il va sûrement y avoir une introduction de 6 mètres de long. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça... En fait, ça a exactement la même taille. C'est tout plat, et ça a les mêmes crans hein, que les mondes genre Avengers, Spider-Man et... le Guerre de la Galaxie, mais en plus plein. Donc je sais pas si c'est des mini-jeux, si... je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, on va découvrir ça ensemble. Là, c'est la première fois que je le lance. Donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je ne pense pas. Mais je sens que ça va être épique. Bon. C'est pas le tout. Mais j'ai rien joué maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, madame. Donc là, on voit œil de faucon. Je sais même plus comment on dit en anglais. Il est blanc. Et des lunettes. Normalement, il est beaucoup plus stylé que ça hein, dans les BD. Je sais pas. Regardez sur Google, vous avez marqué œil de faucon ou je ne sais quoi. Vous allez voir, hein, il a vraiment un costume violet dans le sens, mais il a carrément un masque et tout. J'avoue que là, c'est un petit peu plus light. Il se base vraiment que sur les films. Bon, c'est pas gênant, mais... De toute façon, pour avoir un repère. Voilà, voilà. Ah. Ronan est ici pour nous livrer à Thanos? Eh ben dommage pour lui, je suis un as de l'évasion. Je vais court-circuiter le système de sécurité, ce qui devrait ouvrir la porte de notre cellule. Ensuite, on se faufile jusqu'au vaisseau et on s'enfuit en vitesse. Tu es avec moi? Oh, j'allais sûrement être libéré sur parole très prochainement. Retrouve-moi au vaisseau! Fonce! Ouais, y'a plein de héros! C'est trop la classe! Veille des prisonniers! Ok. Et Viola, donne-moi un coup de main! Ok. Vous êtes qui, monsieur? Oh, je vais attaquer! Bon, c'est bien ce que je pensais, c'est bien. C'est bel et bien épique, hein, bien comme je le pensais. Par contre, je dis oui, hein. Je sais jouer au jeu, merci. Ah, c'est pas le même gameplay, semble-t-il. Ok. C'est un petit peu différent, on dirait. Oh, ça! Et ça! Ah oui, quand il revient, en fait, ça le détruit, mine de rien. Vous avez vu, on a vu Raccoon, franchement. J'avoue qu'il est bien sympathique. Si vraiment ça vous plaît à ce point-là, que quand j'aurai fini Spider-Man et tout ça, vous avez toujours envie de voir des épisodes, je dis oui! Pourquoi pas, on essaiera. On devrait s'entraîner. Ça peut être notre seule chance de sortir d'ici. Nouveau compagnon débloqué. J'ai un nouveau compagnon. Waouh. Oui. Je parie que je peux désactiver ce bouclier. Lance-moi sur le panneau d'accès. Dans ce panneau d'accès. Alors, je vais récupérer un puissant prendre. Et on va le jeter. T'es un malpropre. Prends ça! Ah non, je voulais te jeter. Lancer ses ZR. Alors ZR, c'est où? C'est là. Boum! Vous voyez? Une clé de sécurité. On a de la chance. Prends-la! Oui. Oui, monsieur. J'ai pas reconnu qui c'était au fait. Oculé. Ouvre ce conteneur. Les gardes de la prison rangent des tas de trucs utiles là-dedans. Ok. Alors effectivement, c'est pas vraiment une nouvelle aventure ou autre. C'est une récompense du compagnon. Je voudrais le prendre.
Les récompenses de compagnons de la récolte te sont remises à la fin de chaque niveau. Oui. Je peux voler. La sortie est là. Partons vite d'ici. L'honneur me revient. Ah d'accord, donc lui a remis maintenant il est destiné dans la toy box. Ouah! Mais qu'est-ce donc? Un portail intersidéral? Revenir à la zone sûre? Bah non, moi je vais continuer. Est-ce qu'il faudrait que j'aille à la zone sûre, vous pensez? Ah mais s'il y a un temps de chargement, ça va être un petit peu embêtant. On va essayer de voir ce qu'il y a ailleurs, il y a peut-être des trucs à récupérer. On peut casser ça, oui! Est-ce qu'on récupère beaucoup de pièces? Non! Bon allez, on va aller dans la zone sûre. Je sais pas vraiment ce que c'est. Donc en fait c'est comme des petites aventures mais un petit peu moins scénarisées mine de rien. Allez on va à la zone sûre, on verra ce que c'est. C'est parti. Donc c'est sympa, ça change un petit peu, mine de rien. Mais ça reste sympathique. Donc j'espère que ce sera mieux, un petit peu mieux après. J'en ai une autre hein, j'en ai eu deux des comme ça. Des aventures dans ce genre. Bon. Bienvenue dans la plateforme Échappe-toi de Clint. Ici, tu peux recruter des compagnons, leur procurer de nouveaux équipements et passer une porte pour explorer un bloc de détention. Pour rendre tes compagnons plus forts et plus efficaces, attribue-leur des qualités supplémentaires. D'accord, monsieur. D'accord, Sora. Tu as débloqué une autre porte. Passe là. Pour continuer ton évasion de Clint. En fait, je pense que Clint... Ouais, mais... Qu'est-ce que c'est que tout ça? On a plein de compagnons. Ouah... Utiliser. Les statistiques d'un compagnon indiquent le taux de dégâts que le compagnon peut subir avant de s'évanouir. D'accord, j'appuie sur A là. C'est bugué? Augmente la capacité de compagnons machin et ils t'aideront à découvrir des secrets. Alors, en gros, c'est pour faire plus de dégâts. Ok, donc triangle. Allô? Ah! Ça semble le gamepad. Tiens, je lui mets un casque. Une armure. Je lui donne un nouveau pistolet. Et voilà. Regardez la classe qu'il a. Donc je pense que cet endroit-là, c'est certainement la prison hein, dans... Comment ça s'appelle? Les Gardiens de la Galaxie, j'imagine, vu qu'il y avait Raccoon. Je pense que ça doit être ça. Donc on a découvert une nouvelle porte, donc on va essayer de rentrer dedans. Ah bah c'est en bas. Je pouvais toujours attendre. Ok, c'est parti. Allez hop! C'est parti, Monkey Key. Donc vous me dites si ça vous plaît ou pas. Peut-être que je ferai que ces machins le mercredi. Vous aurez deux épisodes après le lundi et le vendredi de l'aventure principale hein, des Avengers. Et le samedi, la Toy Box, comme le week-end dernier. Ou dimanche, ça dépendra. Je suis tout seul, il est où mon... Oh, yeah. Je te couvre. Ok, bah couvre-moi. Quoique je n'ai pas besoin de ça en fait. Alors on va essayer au fait la nouvelle attaque qu'on avait récupérée la dernière fois. Alors, il y a une espèce de ralentissement bizarre. Je sais pas si vous le voyez aussi. Que dois-je faire? Lancer. Boum! Okay, rien du tout. Ça. Ah, faut que j'en sais un petit machin. Si je lance là-dedans, ça fait quoi? Allez! Oh, génial! Génial! Et je te lance là-dedans aussi. Bon, faut que j'aille là-haut. Alors, est-ce que je peux voler comme dans le truc Avenger de Barnes? Absolument pas. Je suis cloué au sol. Faut que j'aille par où? Ah bah par là, suis-je bait. Ah bah ça a dû ouvrir la porte, ça se trouve, ce que j'ai fait tout à l'heure. Allô? C'est quoi ça? Merde! Bon. Ou pas. Ne meurs pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Sérieux là? Ah. Ah ouais, des monstres. Voilà, des symbiotes.
parti. Attends, comment on tape? Bah, attendez. Je peux plus taper. Ah, il fait mal. Ah, voilà. J'oublie vite, hein, j'ai vraiment pas de mémoire. Aïe! Arrête! Il y a plusieurs Venom, mais en fait, c'est pas vraiment plusieurs Venom, c'est plus plusieurs symbiotes. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, hein, dans Spider-Man. Pour qu'ils savent pas, bah, écoutez. En gros, regardez Spider-Man 3. Et vous allez comprendre. Mange ça! Facile! Comment on fait pour récupérer? Alors, c'est comme ça pour sauter. Ah ah! À moi! Ouvre-toi! Yeah! On a collecté un nouveau truc pour les compagnons. Alors, est-ce que je peux aller en face en volant? Ouais, on va voir. Oui! C'est ça d'être un super-héros! Allez, prends ça! Et on va changer de héros d'ailleurs. Pour changer un petit peu. Une pile! Yeah! Allez, on va changer. Nous allons prendre. Hop là! Oui, transformation! Boum! Iron Man! Yeah! En tout cas, on récupère plein de trucs, ça c'est cool. Alors, je sais pas si ça va vraiment être utile. Oui ou non, mais bon. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? What the? Bonjour! Prenez ça! En tout cas, j'aime bien. Bon, c'est un peu différent, mais c'est sympa. D'ailleurs, on n'a pas augmenté les capacités d'Iron Man. On va essayer de le faire. Alors, avant de foncer tête d'ACI, on va aller chercher le machin là. Hop. Si on peut augmenter les capacités de nos petits compagnons, moi je dis oui. Ah, c'est tout? D'accord. Ça va aller le coup, il dedans. Ta-la-la-la. Wouah! Je ne me laisserai pas faire! Mangez ça! Attends, tiens, regardez, on va faire pause. Parce que je trouve un PGM. Diagramme des compétences. Et on va lui mettre sa nouvelle attaque de la mort. Wouah! Attaque spéciale d'Iron Man! Iron Man s'immobilise et lance une vague de missiles qui recherche les adversaires à une certaine distance. On l'achète. Tada! Et on va l'utiliser. R. Mangez ça! La clave! Non. Oh! Oh, je l'ai tenu, l'a tué. Oh, chat ray! Ok, pas de problème. Pas de problème, Jean-Claude, je suis avec toi. Et nous pouvons voler ensemble. Oui! Ouah, une nouvelle clé. Arrête-toi! Arrête-toi, Jean! Il s'arrêtait plus. Alerte de sécurité, zone de confinement. Ouais, je sais, j'ai vu la clé, mais il voulait pas s'arrêter à cause du message. Oh, on peut pas la prendre. Ouais. Ah, c'est protégé par une... Ok. J'ai compris. T'énerve pas. L'autre il pète tout. Athé. Viens là, Jean-Jean. Viens là, Jean-Jean. T'es gentil, Jean-Jean. Allez, hop. Veuillez m'excuser. J'aurais que tu rentres là-dedans. Hop là. Allez, ouvre-moi ça. Yeah. GG. Je suis Iron Man. Tu ne peux pas m'avoir. Je suis bien trop puissant pour toi. Ouais. Why not? Allez, viens là. Viens là, dépêche-toi. Hop. Et je te lance. Je trouve qu'il y a un petit manque de respect, je trouve, mais bon.
Allez, dépêche-toi. Va pirater ça. Une deuxième clé. La deuxième clef. Vous ne pouvez pas être aussi rapide que mes superbes pouvoirs. J'ai dit non. Allez, viens. Allez, viens, on est bien. Ok, c'est tout. On va essayer de voler un peu pour aller plus vite. Oui, c'est encore mieux. La, 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 la. Mais c'est bon, tu vas mettre 2 ans à te relever non plus. Esquive. Et voilà, vous allez faire quoi maintenant? Rien du tout. C'est un super héros qu'avec moi ou... Non, c'est des méchants. Ça ressemble à quoi ces trucs là? J'ai tellement l'habitude de me battre contre des gens de glace. Je crois que je ne reconnais même plus de Persona. Oui, il est symbiote, c'est déjà pas mal. Alors, ah, encore. Oui, là. C'est bon. Compris. Allez. Allez. Oui. Bah. Plus qu'un, et c'est bon. Ouais, comment il se déplace, lui. Il a la classe. Bonjour. Tiens. Boum. Moi, je pense que pour utiliser le super pouvoir, le pouvoir des Power Rangers. Waouh. Mais où sortez-vous? Ah si, c'est des monstres de glace. Ah d'accord. Bon, je les ai déjà croisés, j'ai même pas fait attention. Mais quel saut. Quel saut je fais. Tu peux rien faire contre mon skill, hein, bien entendu. Je vais entendre mes touches à mort parce que j'ai mon micro qui est juste en dessous, en dessous. Mais peu importe. Je t'esquive, 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 mais t'es détruit. Appeler des renforts. Des renforts, c'est pour les faibles. Viens là. Viens là, Jean-Louis. Viens là, Jean-Louis. Je vais te jeter. Pendant que tu fais ça, je détruis Monsieur Venom. Voilà. Enfin. Une copie de Venom, semble-t-il. Hop là. Confinement levé. Laissez-moi une seconde pour intégrer cette victoire. Je vole. On est d'accord. Et maintenant, je fonce tête baissée, tel un. Tel un. Un foufou. C'est parti! Oh, mais t'es Iron Man ou t'es pas Iron Man? Bon, on va marcher parce qu'on perd plus de temps à tomber. C'est quoi ces trucs là? On peut casser ça? Non. Je veux trouver quoi? Un trésor. Je vais peut-être trouver un trésor. Bah, oui, qu'est-ce que tu veux? Bonjour, messieurs, dames! Lors d'une mise à terre, appuyez sur B pour vite récupérer. Ah, bah oui, d'accord. Il faut que je peux appuyer sur B pour me relever vite. Non, vous ne m'aurez pas! Ne cherchez pas, vous ne pouvez pas m'avoir. Exploit réussi, tout de même. Ouais, on se calme! Ouais, on a récupéré des trucs. Nouveau concept. Ah, on aura plein de nouveaux trucs pour ce week-end. Aïe! Bon, alors attendez, on va quand même esquiver un peu tout ça. On va surtout faire ça. Hey! Ah bah d'accord, ouais. Bon, est-ce que ça l'a touché? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais à côté. J'ai très mal. Auriez-vous de l'énergie? Ouverture des portes. On va les récupérer. Calme-toi. Calme-toi. Tout va bien se passer. Hop, on va récupérer ça. Un peu d'énergie, s'il vous plaît. Bon. Une récompense de compagnon. Bon, c'est toujours bien. Par contre, j'ai besoin d'énergie. Alerte de sécurité de zone de confinement. Encore? C'est quoi cette blague? Coucou. Il y a quelqu'un? Bonjour. Oh là là, les dalles d'activation placées au sol contrôlent le champ de force. Marche dessus pour libérer la clé.
Faut aller par la clef. Quoi? Ah ah! Alors j'ai pas compris, il doit y avoir un code à faire en fait. Et je l'ai trouvé sans faire exprès. Et ça c'est cool. Non, j'ai trouvé en faisant exprès bien entendu, hein, c'était le skill. Ah vous pouvez me croire, oui, vous me croire ou pas, hein, je vous le dis moi. Eh ouais, ouais, heureusement que je récupère un peu d'énergie de même. Alors est-ce que je peux l'utiliser sans avoir le truc à fond? Non, faut que je sois plein. Faut que ma jauge violette soit pleine. Ok. Hop. Vous avez remarqué, hein, je joue beaucoup avec Iron Man parce que c'est quand même le personnage le plus stylé. Enfin, je trouve. Je voudrais monter là-haut. Voilà, merci. Je suis sûr qu'il y a un truc. Non? Et la clé. C'est déjà pas mal. Ouais, vous arrêtez là? Ok, je vais tout vous détruire. Ouah, j'ai pas eu le temps de taper! Ouais! Vous ne m'aurez pas! Vous ne m'aurez pas! Qui? Alors. Tic-tac. Tic-tac. Tic. Eh! Ce serait pas à cause de mon copain là qui m'embête. Eh, mais il a plus beaucoup de vie au passage! Il va être inanimé! Il va mourir! Laissez-moi récupérer vos clés! Bande de chacal! Boum! Eh oui, ça fait mal. Je l'avais dit que ça faisait mal. On va essayer de traverser un peu pour se dépêcher parce que mine de rien, le temps passe et beaucoup de choses ont changé qui auraient pu s'imaginer que le temps se serait évité écoulé. Oh! Français! Prends-le dans les dents! Ça suffira! Mais il est mort! Il suffira d'une étincelle! Ok, je dois te calmer vite fait là. Ouah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je suis tout noir. Je suis tout noir, mais vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Boum! Ils m'ont eu. Réanimé. Faut combien de temps pour réanimer un personnage? Ah. C'est lui qui marche dessus! Viens là. Y'a pas de code, c'est lui qui m'embête depuis tout à l'heure. Quel rat! Bon, j'espère que c'est terminé là, parce que. Faut éviter, ma chère. Mine de rien, ça commence à pas. La sortie est là! Partons vite d'ici! Oui. Mission. Sorte. D'accord. Nouvelle mission, sorte. Bon, oui. Bon, oui, c'est parti! Vous voyez rien là, hein? Parce que je suis par terre. Ah! Est-ce qu'on va aller chercher le machin? On va dire que non? On va dire que oui? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'on a plein de. On a plein de sous-sous pour acheter des objets. Alors, bonjour. Viens, viens à moi. Tu es à moi. Oh, c'est tout. C'est arnaque. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Semble-t-il que non. Viens, allons-y. On se relève plus vite. Voilà. Ok, on est arrivé. Pas d'applaudissements. Yeah. Ah, une nouvelle récompense maintenant. Waouh! Waouh! Waouh, la classe! Ces nouveaux vêtements. On peut partir maintenant ou. Comment ça va se passer là? Sommes-nous bloqués? Ah, ben voilà! Bon. Un peu laborieux, je vous l'accorde. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ce sera une fois par semaine, une genre de petit épisode comme ça. Moi, je suis ouvert à toute éventualité. Donc, dites-moi.
Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de petit jeu. Ça va, quoi. C'est pas vraiment un mini-jeu, c'est plus un genre de... Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est une version light, on peut appeler ça. Une version light de Disney Infinity 2.0. C'est histoire un petit peu de... Tu as débloqué une nouvelle porte, là. Bon. Tu as trouvé la porte du monde exploration survie. Passe là pour explorer de nouveaux lieux et vaincre des ennemis générés de manière aléatoire. Tu ne risques pas de t'ennuyer. En plus. Et on a récupéré de nouveaux personnages, semble-t-il. Eh bien. Tout ça. Bon allez les amis, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas une seconde. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et bah, le petit commentaire, hein, savoir si vous avez déjà cet épisode vous a plu et si vous avez d'autres idées, écoutez. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.